comprennes qu'est-ce que c'est l'accélération. L'accélération, c'est un concept qui est clé dans la cinématique, dans le fait de comprendre comment est-ce que les objets bougent. Cette vidéo va commencer par une petite définition de qu'est-ce que c'est l'accélération. Et en deuxième, on va voir comment est-ce qu'on fait pour la calculer. Bon courage, c'est parti. Who runs the best bend? And Bolt has gone well out of the blocks and he's already closing down Dix on the outside. And Bolt and Dix, Saidi and Jury has pulled out on the outside. Bolt's in front and Dix can't go with him. Bolt looks to his right and sees if he has any challenges. He doesn't. Bolt's going to win this one and crosses the line in a wonderful time. L'accélération, c'est un vecteur qui représente une différence de vitesse entre deux moments. Soit tu vas plus ou moins vite, soit tu changes de direction. Pour calculer l'accélération, on va prendre la vitesse et on va la dériver selon le temps. Et l'unité de l'accélération, c'est le mètre par seconde carré. Ce que ça veut dire, c'est que chaque seconde, tu vas gagner ou perdre un certain nombre de mètres par seconde. Chaque seconde, tu vas gagner ou perdre une certaine vitesse. L'accélération, c'est un vecteur qui représente un changement de vitesse ou de direction. C'est la dérivée de la vitesse et son unité, c'est le mètre par seconde carré. Voilà, tu sais maintenant ce que c'est que l'accélération. Si tu as encore un tout petit peu de motivation, même un tout petit peu de petite motivation, va voir ce que c'est que la deuxième loi de Newton. Tu vas pas le regretter.